La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Soyez tous les bienvenus au culte de ce dimanche. Qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre horizon culturel, social, intellectuel, nous sommes ici à égalité dans la grande et belle fraternité des enfants de Dieu. J'ai eu le privilège de commencer mon week-end par le baptême d'une petite fille au temple de Jussy, et je me disais, mais quelle grâce de commencer un week-end par un baptême. Et aujourd'hui,
Finalement, dans cette grande cathédrale, nous sommes réunis par notre baptême, peuple des baptisés, enfants de Dieu. Cela n'inclut pas forcément l'amitié ou la sympathie entre nous, mais cela ne l'exclut pas non plus. Et c'était un bonheur pour moi de revoir tant de visages connus et aimés ce matin après les vacances. Ce dimanche encore, je vais utiliser le livre de prière des veilleurs composé par Théodore Monod en 1925, un livre qui est maintenant réimprimé aux éditions Labor et Fides et que j'ai mis 8 exemplaires à votre disposition à la sortie si ça vous intéresse pour le prix de 25 francs, mais vous pouvez aussi à la fin du culte aller le demander aux éditions Labor et Fides. Alors nous allons ouvrir ce culte par une vieille prière que Théodore Monod a composée. Et c'est lui qui va nous accompagner durant toute la liturgie d'entrée de ce culte. Seigneur notre Dieu, nous voici dans un esprit d'adoration et de prière devant ton insondable et ton inexprimable amour. Tu ne demeures point caché par-delà les cieux, par-delà les astres. Non, tu es auprès de nous, autour de nous, en ton Fils Jésus-Christ, par ta parole. Tu viens dans le monde chercher celles et ceux qui sont perdus, consoler celles et ceux qui pleurent, enrichir les pauvres, fortifier celles et ceux qui défaillent, rendre la joie aux pécheurs avant même qu'ils ne demandent ton pardon. Ô Seigneur notre Dieu, que nous sachions accueillir ta grâce et nous ouvrir maintenant à ton amour. Que ce culte soit véritablement une source de bénédiction pour chacun, pour chacune. Que nous soyons jeunes ou vieux, pauvres ou riches, puissants ou misérables. Mais avant tout, pour celles et ceux d'entre nous qui seraient solitaires, abandonnés, les fatigués et les chargés, celles et ceux qui plient, celles et ceux qui saignent. Seigneur notre Dieu, Père éternel, manifeste-toi à nous, rends-toi manifeste en nous, par la grâce de ton Fils Jésus-Christ et de l'Esprit-Saint. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier psaume, cantique numéro 22. Au Seigneur, ta fidélité, nous en chantons les 3 strophes.
au centre de la foi d'Israël, la loi, bien sûr, donnée par Dieu à Moïse au mont Sinaï, exactement sur la route de l'Exode. Jésus en avait une interprétation très personnelle et très libre, qui a passablement irrité et empoisonné sa relation avec les maîtres de la loi de son époque, mais personne, ni lui, ni nous, ne remet en question la nécessité d'avoir une règle, une norme que tous écoutent, respectent et appliquent pour, comme le dit Théodore Monod dans la prière qui suit, sanctifier chacun d'entre nous et purifier la vie sociale tout entière. Nous prions. Dieu éternel, céleste source de toute justice, tu as choisi ton antique Israël pour être parmi les peuples le signe de ta présence dans l'histoire et au milieu de notre histoire et de l'histoire de toutes les nations. Et tu as manifesté à ton serviteur Moïse les saintes exigences de ta loi, sanctifier chacun, mais aussi purifier la vie sociale tout entière. Alors nous t'en prions, Dieu très saint, augmente en nous et parmi les nations la faim et la soif de la justice, de sorte que celle-ci régisse enfin les rapports entre les hommes comme entre les peuples. Éternel Dieu, toi qui es, qui étais et qui seras, tu vois les unes après les autres se lever les générations, et tu te fais chercher et trouver par elles. Tu connais, Seigneur, la brièveté de nos jours et combien rapidement s'envolent nos années. Tu sais aussi notre faiblesse et nos fautes s'étalent devant tes yeux. Mais aujourd'hui, c'est toujours vers toi et devant toi que monte la prière de nos cœurs et les désirs de notre âme. Car c'est auprès de toi que se trouve aujourd'hui encore la paix et la vie éternelle. Alors pardonne, Seigneur, pardonne toutes les fautes dont, au cours de cette semaine, nous nous sommes rendus coupables contre toi ou contre nos frères et nos sœurs. Et pardonne-nous, avec le mal que nous avons fait, le bien que nous n'avons pas su, pas voulu ou pas osé faire. Et que nous sachions maintenant laisser sombrer dans l'océan de ta paix surnaturelle nos injustices, nos doutes, nos détresses, l'énorme fardeau de nos lassitudes. Et que ton saint nom, ô Père, soit béni pour toutes les grâces, les consolations, les délivrances que tu nous accordes. Entends-nous et viens-nous en aide pour l'amour de ta vérité et de ta fidélité. Amen. Quand le poids de nos remords nous accable, quand nous nous sentons bons à rien et bons pour rien, il nous suffit d'ouvrir l'Évangile dans ses premières pages et relire
la première prédication de Jésus qui prêchait dans la synagogue de Nazareth, jeune homme, sur ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la libération. » Et lire la plus courte prédication du siècle, quand Jésus referme le grand livre, referme la parole du prophète et dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. La bonne nouvelle est annoncée à ceux qui en ont besoin. La liberté aux captifs et le pardon à ceux qui réclament sa grâce. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour chacune et chacun d'entre nous. Je vous invite à exprimer notre reconnaissance par le chant au cantique 392 « Il faut qu'en Dieu l'on se confie » et nous le chantons aussi en entier. Chaque dimanche, et pas seulement chaque dimanche, mais aussi durant la semaine, nous ouvrons la Bible pour y puiser une parole. Et je lisais dans un petit ouvrage de Delphine Horviller, qui est rabbin à Paris, ce petit passage qui explique au fond pourquoi nous lisons toujours ces vieux textes et pourquoi ils ont un caractère sacré pour chacune et chacun d'entre nous. Elle écrit: tous les textes ne sont pas sacrés, mais un texte est sacré s'il n'a pas fini de parler pour un groupe qui continue de le lire. Voilà, un texte est sacré pour peu qu'il continue de parler à un groupe qui continue de le lire. Un texte n'est peut-être sacré qu'à condition que nous n'ayons pas fini de le comprendre. Un texte est sacré quand il peut encore parler à ceux qui croient que tout n'a pas été dit et que les nouvelles générations ont un trésor à y traquer, qu'elles seules peuvent y trouver. Nous prions. Oui, Dieu notre Père, nous sommes devant ta parole comme une parole vivante.
comme une parole sacrée, une sacrée parole qui a encore quelque chose à nous apprendre, quelque chose à nous dire, et c'est exactement la raison pour laquelle nous la lisons aujourd'hui. Mais nous avons besoin de ton esprit, de ton souffle pour la rendre vivante. Comme un corps sans souffle est un corps mort, nous avons besoin de ton esprit pour rendre cette parole vivante. Alors que ton souffle soit parmi nous et que nous puissions découvrir, redécouvrir les nouveautés qu'elle a à nous apporter aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai simplement pris les textes que la liturgie nous propose à notre méditation. Ça veut dire que quand même dans le monde entier, ce sont ces textes que nous méditons aujourd'hui et ils nous ramènent à la loi. C'est très intéressant d'être ramené à la loi en ce jour où nous terminons nos vacances, où disons l'été s'achève et la rentrée approche. Je vous lis donc dans le livre du Deutéronome, qui est le grand livre de la loi dans la tradition juive, au chapitre 4, les versets 1 à 2, 6 à 8, et aussi au chapitre 30, les versets 11 à 14. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique. Ainsi, à cette condition, vous vivrez. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Et quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme l'est cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Et en complément au texte du Deutéronome, voici les quelques versets du psaume 15. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère. Il n'outrage pas son prochain. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt et il n'accepte rien qui puisse nuire à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Tournons les pages, arrivons dans le Nouveau Testament et dans l'Épître de Jacques, nous lisons au chapitre 1 ceci. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, car c'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Enfin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, en ce temps-là,
les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, la capitale, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains sales, des mains impures. Et les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours rituellement et soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas non plus avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus : Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Ils ont les mains sales. Jésus leur répondit : Ésaïe a parfaitement prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi, il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et appelant de nouveau la foule, il lui disait : Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. En cette fin du mois d'août, le journal Le Monde consacre une série d'articles sur les religions mortes, c'est-à-dire les religions qui, après avoir donné un cadre spirituel à une civilisation, parfois même à un empire, finit par disparaître, à l'exemple du paganisme avec l'Empire romain par exemple. C'est passionnant évidemment, et le premier article de cette série porte sur la question de savoir comment meurent ou pas les religions. Et le journaliste évoque alors, dans le cadre de ce premier article, le cas d'une religion mystère, d'une énigme, d'une religion dont la vie, je devrais dire la survie, est la grande énigme de l'histoire des religions,
tant tout a été fait pour la rayer de la carte, ainsi que ses adeptes, tant on a cherché systématiquement à l'éliminer de la surface du globe. Et cette religion, c'est bien entendu le judaïsme. Je cite le journaliste, « Il existe quelques rares exemples de religion au demeurant imperturbable. » Ce n'est pas quelques rares exemples de religion, il n'y en a qu'une. « Qui demeure imperturbable ou presque face au contexte sociopolitique qu'elle traverse. » Et le judaïsme en constitue un exemple particulièrement éloquent. Alors qu'il n'a jamais concerné qu'une infime minorité de la population mondiale, que sa terre d'origine a été à maintes reprises sous le joug d'occupants très puissants, au premier rang desquels l'Empire romain, il a traversé les siècles et vu s'effondrer toutes les religions bien plus solidement installées que lui. Titus détruit le temple de Jérusalem en 70, les textes sacrés des Juifs deviennent leur sanctuaire. L'empereur Adrien envoie sur la route de l'exil le peuple de Judée après la révolte de Bar Corba en 135. Ce peuple se renouvellera dans la diaspora. Et la question est donc la suivante, par quel mystère le judaïsme survit-il, a-t-il survécu à 20 siècles d'antisémitisme, de pogroms, de violences de toute nature et de toutes sortes qui vont culminer au XXe siècle dans la Shoah. Mais avant de répondre à la question, et puisque nous sommes à Genève, ce petit sermon est l'occasion d'un excursus historique sur la manière dont les Juifs ont été traités dans notre ville, et je te remercie Valérie, toi qui m'as mis sur la piste vendredi alors que nous rentrions de Berne où nous étions allés ensemble suivre un séminaire sur le patrimoine religieux. Et tu m'apprenais dans le train que le quartier du Grand Mézel, juste au-dessus du parc des Bastions, était le ghetto de Genève. Et renseignement pris, en effet, le ghetto du Grand Mézel est le plus vieux ghetto des Juifs d'Europe. Le plus ancien, le premier, dès 1428, alors que celui de Venise, que vous connaissez tous, date de 1516. Et il se trouve que nous avons un ami historien qui vit toujours, qui habite l'immeuble de la paroisse, Jean-Daniel Candeau, c'est le doyen du 24 Bourdefour, qui a consacré un article à ce sujet, qui est encore disponible en ligne, et qui écrit ceci. Le Grand Mézel abrita les Juifs de Genève durant deux générations, jusqu'en 1490, et qu'aux deux bouts de cette juiverie, il met le mot entre guillemets, aux deux bouts de cette juiverie, comme on l'appelait à l'époque, des portes furent posées, qu'on fermait la nuit pendant la Semaine Sainte, afin que les Juifs fussent à la fois mieux parqués et mieux protégés à l'intérieur de leur cancel. Un cancel, dans le riche vocabulaire de Jean-Daniel, désigne des barreaux, une barrière, des grilles. Les plus anciens parmi nous se souviennent certainement aussi d'un illustre paroissien, Denis Blondel, un paroissien épique de Saint-Pierre dont la sœur Bénigna vit toujours et elle vit à la Terrassière et je la visite de temps en temps. Et il se trouve que Denis et Bénigna sont les enfants de Louis Blondel qui fut le premier archéologue cantonal de la ville de Genève. Et lui aussi y va de son petit article sur le Grand Mézel. C'est le 16 septembre 1428 que nous apprenons par le règlement d'une note au Conseil que le notaire Takeli a pris la peine de rassembler les Juifs dispersés dans la ville dans un cancel, donc derrière une barrière, près de la porte du palais. Et la porte du palais, c'est la tertasse, comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. L'emplacement choisi pour établir ce ghetto était celui de la place du Grand Mézel. Et ce n'est qu'en 1719
que la topographie de ce quartier a subi une complète transformation par la création de la rue des Granges. Alors je salue parmi nous, dans ce qui est devenu une enclave protestante historique au cœur du Vieux-Genève, nos paroissiennes et paroissiens de la rue des Granges côté Père, et aussi ceux du Grand Mézel qui y ont eu longtemps leur ronde serviette. Suite et fin de l'histoire, le ghetto est pillé en 1461 et les Juifs sont bannis de Genève en 1490. Il leur faudra attendre 1874 pour que la liberté de domicile et de culte soit inscrite pour eux dans la Constitution, ce qui veut dire que nous sommes parmi les derniers en Europe à avoir accordé la citoyenneté aux Juifs dans notre pays. On voit déjà à l'œuvre la fameuse prudence helvétique. Vous me pardonnerez cet excursus qui se justifie simplement parce que cette histoire se passe à côté de chez nous, dans notre périmètre géographique, et cette histoire se passe aussi de commentaires tant elle confirme à elle seule le mystère parfaitement observé par le journaliste du Monde. Comment se fait-il, alors qu'on a tout fait pour l'anéantir, que le judaïsme soit plus vivant que jamais, par exemple à Genève, grâce à des personnalités aussi éminentes que notre cher rabbin François Garaille, ou à Paris, grâce à des femmes rabbins telles que Pauline Beb et Delphine Horviller? Eh bien, pour François Garaille, comme pour ces deux femmes rabbines, dont je ne peux que vous inciter à lire les ouvrages, la réponse est parfaitement claire. C'est la loi qui a gardé Israël en vie. Et ainsi, ce n'est pas du tout un hasard si Pauline Beb ouvre un recueil de ses chroniques bibliques par « marcher, non pas selon la loi, mais marcher dans la loi ». Marcher dans la loi comme résumé, comme ADN, comme principe matriciel de l'identité juive. Im beukotai telekou, si dans mes lois vous marchez. Et elle ajoute, c'est vrai que nous, les Juifs, marchons avec un rouleau de la Torah sous le bras, où que nous allions. La loi, on l'accroche même au mur pour la voir en peinture. On la met entre nos yeux, sur nos bras. On la lit, on l'étudie, on l'écrit. Marcher dans la loi, c'est s'autoriser à errer, trébucher, tomber et se relever pour marcher encore sur ces chemins de mots qui, pas à pas, nous construisent. Et Delphine Horviller de renchérir, dans le judaïsme, un concept est central, c'est celui de halakha, on traduit par loi. Mais halakha est plutôt la loi vécue au quotidien. Et il faudrait plutôt dire que c'est la voie, V-O-I-E, le chemin, une mise en route, un cheminement. La loi et la marche, le cœur de l'identité juive, la systole et la diastole d'un cœur vivant. Et ce n'est donc pas un hasard si cette loi a été donnée au peuple d'Israël, alors justement qu'il était en route, sur les pistes de l'exil, sur la route de leur exode, comme si c'était le destin d'Israël de fuir le pays d'Égypte, de fuir l'esclavage et la persécution, et dans cet exil qui les mène vers la liberté, trouver la présence de Dieu qui, par sa parole, les tient vivants. La loi, pour le peuple d'Israël, c'est comme un cœur artificiel que les médecins posent à un patient en état de mort clinique. Écouter et mettre en pratique cette loi, c'est vivre, parfois même survivre, et parfois même renaître de ses cendres. Comment ? Par une double ouverture, l'une verticale, vers ce Dieu dont la parole est libératrice, et l'autre est horizontal, vers le prochain à l'égard duquel je n'ai aucun droit, que des devoirs. Devoir d'attention,
devoir de protection, devoir de garde, devoir de sauvegarde. Sur le Sinaï, ce ne sont pas mes droits, ni ceux de l'homme et du citoyen qui sont proclamés et inscrits sur des tables de pierre, ce sont mes devoirs. Ce sont mes devoirs impératifs à l'égard d'autrui. Ne tue pas, ne lui vole rien, ne convoite pas, respecte, honore, prends soin. Sois attentif, exactement comme le rappellent les textes proposés à notre méditation de ce jour. La loi ne s'oppose pas à l'amour, la loi est amour. La loi est amour. C'est une des manifestations, la première manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. Et il faut bien que les chrétiens que nous sommes finissent par en prendre conscience après des siècles d'aveuglement. La loi est amour parce qu'elle pose l'autre, la vie de l'autre, au centre de ma propre vie. Je relis simplement quelques versets du Deutéronome qui guident notre méditation de ce jour. Ne fais pas de tort à ton frère, n'outrage pas ton prochain, prête ton argent sans intérêt si l'autre est dans la misère, et ne fais rien de mal à l'innocent. L'apôtre Jacques résume : un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans la détresse. Tu veux sauver ton âme ? Ne cherche pas midi à 14 heures. Ton salut est dans le visage de l'autre qui a besoin de ton secours. Alors si tu veux vivre, ne te prends pas la tête. Accueille favorablement cette parole. Laisse-la grandir en toi. Tu veux la vie ? Tu te casses la tête pour savoir quel est le sens de ta vie ? Alors, va voir du côté des veuves et des orphelins. C'est ainsi que tu vivras au sens fort du terme. C'est la voie de la sagesse. C'est le chemin de la vie. Tu veux être proche de Dieu, tu le cherches, tu ne le trouves pas ? Il est proche de toi quand tu te fais proche et quand tu te rapproches de ton prochain. Et donc, vous comprenez bien que si la loi est amour, elle est donc mouvement, elle est donc élan, elle ne peut jamais être définitivement fixée, elle bouge sans cesse, elle nous accompagne comme l'amour même. Dans l'évangile de ce jour, on voit Jésus en prise avec les gardiens, non pas de leurs frères et leurs sœurs, mais avec les gardiens de la loi. C'est-à-dire des gardiens qui sacralisent non plus l'être qui me fait face, mais la lettre de la loi. Et si on regarde attentivement ce qui est en train ici de se jouer, dans cette énième polémique qui oppose Jésus aux pharisiens à propos de la manière de se laver les mains avant de passer à table, on voit bien que Jésus ne s'en prend absolument pas à la loi, mais à la tradition des hommes qui s'ajoute à la loi et qui est un peu comme le lierre sur la rose, un parasite qui finit par l'étouffer. Et c'est au fond ce que on peut appeler la talibanisation de la loi, la talibanisation de la religion, la talibanisation des cœurs que Jésus condamne et dont il se retrouvera la victime, lui aussi, pas le seul. Et c'est toujours la menace qui nous guette. Aujourd'hui, finalement, peu importe si les religions, y compris la nôtre, sont menacées de mort. Elles peuvent bien mourir si elles deviennent radicales. Elles peuvent bien mourir si elles mènent à la mort. Elles peuvent bien mourir si elles ne font plus vivre. Ce qui importe, ce n'est pas de sauver notre religion. Ce qui importe, c'est de sauver notre monde. C'est lui que Dieu aime. Et donc, de se poser toujours la question de savoir
quel est pour notre monde aujourd'hui le chemin de la vie? Quel est le chemin de l'amour? Et quelle est la loi qui va s'ajuster à ce chemin de la vie et à ce chemin de l'amour? Qu'est-ce qui nous ouvre sur le futur et pas sur le passé? Qu'est-ce qui nous maintient en mouvement et qui ne nous immobilise pas? Peut-être bien cette parole qui constitue le trésor d'Israël et qui est profondément sacrée, au sens où Delphine Horviller donne à ce mot, et que le Christ avait parfaitement comprise et faite sienne. Le mal qui défigure le visage de la terre, la haine qui défigure le visage d'autrui, ne m'est pas étranger. Il ne m'est pas extérieur. Il est tapis au fond de moi, à l'intérieur de mon être. Et la seule manière de le combattre efficacement, le seul remède à ce mal, est encore d'accueillir la parole de Dieu comme une graine qui, plantée en nous, tourne nos bras, nos visages et nos cœurs vers la lumière du visage de l'autre. Amen.
Toujours à Berne, vendredi, au cours de cette journée sur le patrimoine religieux, quelqu'un a dit « Qu'est-ce que c'est une église ?» Une église, c'est une table avec un toit. Il parlait évidemment du bâtiment, parce que l'église, c'est aussi la communauté des gens qui s'y retrouvent. Mais une église, un bâtiment, c'est une table avec un toit. Et la table rappelle évidemment celle autour desquelles le Christ s'est assis, soit en compagnie de ses disciples, soit en compagnie de gens qui n'auraient jamais dû être à sa table. Parce qu'à son époque et dans son milieu, les règles de la pureté étaient radicales et empêchaient la commensalité. Et aujourd'hui, on a perdu de notre mémoire le fait que c'est une grâce de pouvoir manger les uns avec les autres sans trop faire attention aux règles de pureté élémentaires. Or aujourd'hui, et cela fait des mois maintenant, nous devons faire très attention aux règles de pureté élémentaires, aux règles d'hygiène. Et je me disais qu'un même geste qui interdisait la commensalité au temps de Jésus, ce geste aujourd'hui est obligatoire pour nous la permettre. Ce qui excluait au temps de Jésus permet aujourd'hui à nous de célébrer la scène. Et c'est pourquoi c'est finalement un geste à la fois hygiénique et profondément religieux aujourd'hui de faire attention à la manière dont nous nous lavons les mains pour justement nous permettre de prendre ce repas tous ensemble. Autour de cette table que le Christ préside, nous nous souvenons de cette dernière nuit et de son dernier repas. Ce repas qu'il partagea avec ses disciples et au cours duquel il prit du pain. Il rendit grâce. Il le partagea à ses amis en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et puis après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la passa à ses amis en leur disant « Prenez, buvez, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous prions. Dieu notre Père, réuni aujourd'hui encore autour de cette table, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim, et nous te demandons de laisser vivre en nous l'élan vers le partage. Et nous te demandons de bénir et de sanctifier chaque geste de don. Te prions pour les immigrés et les exilés. Et là encore, nous prions pour que nous soyons capables de les accueillir dans leurs différences et de leur offrir un refuge, une hospitalité, qu'ils puissent être gardés. Nous te prions pour les méprisés, les malades, les isolés. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance et bénis celles et ceux d'entre nous qui montrent le chemin de la compassion. Nous te prions pour nous, les religieux, quel que soit notre religion,
que nous puissions être pour les fidèles qui se rassemblent dans les temples, les églises, les synagogues et les mosquées, que nous puissions être des artisans de paix, de lumière et d'amour. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde et te demandons que chacun puisse assumer ses responsabilités avec intelligence et dignité. Et apprends-nous en tout temps à rester fidèles à ta parole. Ensemble, nous te disons cette prière qui nous rassemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion à sa vie donnée pour nous. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence au milieu de nous et en nous. Amen. Je vous invite à vous approcher de la table et comme nous en avons pris l'habitude, eh bien, je vous donnerai le pain qui est prédécoupé. Je vous demande simplement de me tendre vos mains comme une coupe pour que je puisse y déposer le morceau sans vous toucher. Les petits verres avec du vin blanc sont avec de l'alcool et puis les petits verres en rouge sont avec du jus de raisin. Je vous demande simplement de ne pas remettre vos verres une fois que vous avez bu au même endroit, sur le même plateau, mais les conseillères et les conseillers vont y veiller. Venez, car tout est prêt.
pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ, béni sois-tu. Pour la réalité de notre communion avec toi et les uns les unes avec les autres, béni sois-tu. Amen. Quelques annonces avant le dernier chant, durant lequel nous recevrons votre offrande, juste peut-être pour vous signaler les journées du patrimoine qui auront lieu le week-end du 11-12 septembre, je crois, à Genève. Il y a quelques fascicules à la sortie de la cathédrale qui vous donnera le programme, le riche programme de ces journées. Et puis aussi, comme je vous l'ai annoncé, la possibilité d'acquérir pour le prix de 25 francs un des joyaux spirituels réformés, et pas simplement réformés, chrétiens, qui a été réimprimé récemment. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 360, que nous chantons en entier, et soyez remerciés d'ores et déjà pour la générosité de votre offrande. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.